Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de probabilité conditionnelle. Je commence par une expérience. J'ai dans la main 5 cartes. Un as, 2 as, 3 as et 2 rois. Je bats les cartes et au hasard, je prends une carte que je mets ici. Et je vous pose la question, quelle est la probabilité pour que cette carte soit un as? N'oublions pas que on a 5 cartes qui sont 3 as et 2 rois. Bien sûr, vous allez me dire que ayant 5 cartes qu'il y ait 3 as et 2 rois, il y a 3 chances sur 5 que cette carte soit un as. Donc la probabilité pour que cette carte soit un as, c'est 3/5. Alors, je vais prendre une autre carte au hasard que je vais mettre ici, à côté. La question que je vous pose maintenant, c'est quelle est la probabilité pour que cette carte soit un as aussi? Alors, je vais vous laisser réfléchir un peu. Si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, je vais vous aider un peu. Je vais prendre une troisième carte que je mets ici et je vais vous dire quelle est la probabilité pour que cette troisième carte soit un as. Et puis, je prends une quatrième carte que je mets ici et je vous dis quelle est la probabilité pour que cette carte soit un as. Et enfin, quelle est la probabilité pour que cette cinquième carte soit un as. Bon, j'appelle A l'événement, la première carte tirée est un as. Je vais appeler B l'événement, la deuxième carte tirée est un as. La probabilité pour que la première carte soit un as, normalement, c'est 3/5, d'accord? La deuxième maintenant, pour que ce soit un as, eh bien, il est évident que la probabilité pour que la deuxième soit un as n'est pas inférieure à celle pour que la première carte soit un as. D'ailleurs, la probabilité pour que cette carte soit un as et la probabilité pour que cette carte soit un as est la même. Parce qu'il y a autant de chances pour que cette carte soit un as que pour que cette carte soit un as aussi. Ou celle-là, ou celle-là. Toutes les cartes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais toutes les cartes ont même chance d'être un as. Donc, la probabilité de B, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dessous ici, la probabilité pour que cette carte soit un as, ça reste toujours 3/5. Et aussi, la probabilité pour que la troisième carte soit un as, c'est 3/5. Ne sachant pas ce qu'il y a au revers de ces cartes, la probabilité pour que cette carte soit un as, c'est aussi 3/5. Pour que cette carte soit un as, c'est 3/5. Je veux chercher maintenant la probabilité de l'événement A inter B. A inter B, c'est l'événement A et B. C'est-à-dire que, quelle est la probabilité pour que la première carte soit un as et la deuxième aussi? Les deux. Alors, on va utiliser la probabilité uniforme. En fait, ici et là, j'ai pris deux cartes parmi 5. Je veux que ces deux cartes soient des as. Il y a ces 5 deux manières de choisir deux cartes ici. Parce qu'il y a 5 cartes, j'en choisis 2. Je veux que les deux soient des as. Donc il y a ces 5 deux manières. Et comme il y a 3 as, le nombre de cas favorables, donc pour qu'il y ait 2 as ici,
c'est le choix de deux as parmi trois. Donc C3-2 sur C5-2, C3-2, C3, C5-2, C10. La probabilité pour que ces deux cartes soient des as, c'est 3 dixièmes. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais prendre cette carte. Et je vois que c'est un as. Donc l'événement A est réalisé. Je vois que c'est un as. Dans ce cas maintenant, quelle est la probabilité pour que cette deuxième carte soit un as? Donc, quelle est la probabilité pour que la deuxième carte tirée soit un as, sachant que la première est un as. Je sais que c'est un as. Alors ici, je vais écrire la probabilité de l'événement B, la probabilité pour que la deuxième carte tirée soit un as, sachant que la première est un as, tel que je sais que A est réalisé. Et on note aussi la probabilité de B avec un indice A. A est réalisé, c'est-à-dire A, ça devient un fait établi. Bon, là, je sais qu'il y a quatre cartes. Il y a deux rois et deux as. La probabilité d'avoir un as ici, c'est 2 chances sur 4. Il y a 4 cartes et 2 as quelque part. La probabilité pour que cette carte soit un as, c'est 2 chances sur 4 ou un demi si vous voulez. Donc ça, c'est la probabilité de B sachant A. Notez que la probabilité de B, qui est égale à 3 cinquièmes, n'est pas égale à la probabilité de B sachant A, qui devient un demi. Et le problème, c'est comment chercher la probabilité d'un événement B sachant un événement A réalisé. Alors si je considère un univers oméga, si je considère un événement A et un événement B, pour calculer la probabilité de B sachant A, alors sachant A, c'est-à-dire je sais que A est réalisé, donc tout ce qui est à l'extérieur de A devient un événement impossible. Tout ce qui est à l'extérieur de A devient impossible. La probabilité de B, la partie de B qui est à l'extérieur de A, elle est impossible. Donc on cherche la probabilité de B dans A. Donc, on cherche la probabilité de cette partie par rapport à A. Donc l'univers, ce n'est plus oméga. L'univers, ça devient A. Donc, l'ensemble des possibilités est là-dedans. Donc la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de cette partie de B qui est dans A. Donc c'est la probabilité de A inter B par rapport à A, donc que je divise par P de A. Et ça, c'est la formule. La probabilité d'un événement B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Ce qui se traduit par P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. D'ailleurs, P de A inter B ici, dans l'exemple, P de A inter B, c'est 3 dixièmes. C'est P de A, c'est-à-dire 3 cinquièmes, multiplié par P de B sachant A fois 1 demi. Et vous voyez que 3 dixièmes, c'est bien 3 sur 5 fois 2. Donc ça, c'est la formule. Maintenant, je vais changer l'exercice. J'ai les 5 cartes, je prends au hasard une carte et je me pose la question, quelle est la probabilité pour que cette carte soit un as? Donc je regarde cette carte, vous ne la voyez pas, je remets la carte ici,
je bats les cartes et je prends au hasard une autre carte, la deuxième, et je me pose la question, quelle est la probabilité pour que cette carte soit aussi un as? Donc, l'épreuve a changé. L'épreuve, c'est une prise de deux cartes successivement et avec remise. Donc, je prends une carte, je la remets, et puis je prends une autre carte. Et je veux calculer P de A inter B, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que la première carte tirée soit un as et que la deuxième aussi soit un as. Je sais que P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Bon, je prends une carte parmi les cinq. La probabilité pour que la première soit un as, c'est 3 cinquièmes. Mais comme j'ai remis la carte ici et que je batte les cartes, la probabilité pour que la deuxième soit un as, ça ne dépend pas du résultat de la première épreuve. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du fait que la première carte ait été un as ou pas. Donc, la probabilité de B sachant A ou ne sachant pas A, ça reste P de B. Donc, fois 3 cinquièmes. Ça fait 9 sur 25. Dans ce cas, la probabilité de l'événement B sachant A, c'est P de B ne sachant pas A. Que A soit réalisé ou pas, la probabilité de B reste la même. Et dans ce cas, on va dire que les événements A et B sont indépendants. Alors, deux événements A et B sont indépendants, on veut dire que la probabilité de B sachant A est égale à P de B. Et dans ce cas, P de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B. Donc, A et B sont indépendants lorsque P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Ou bien, P de B sachant A, c'est P de B. Un autre exemple, c'est lorsque on lance un dé deux fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois la face 6, un double 6? Obtenir un double 6, c'est obtenir un 6 la première fois et obtenir un 6 la deuxième fois. Le deuxième lancé du dé ne dépend pas du premier lancé. Que le premier ait été 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 n'affecte pas le résultat du deuxième lancé. Donc, la probabilité pour que les deux dés donnent un 6, c'est la probabilité pour que la deuxième soit un 6, c'est-à-dire un sixième, multiplié par la probabilité pour que le deuxième soit sollicité par un 6, c'est-à-dire un sixième. Donc les événements A et B, si vous voulez, le premier lancé et le deuxième lancé sont indépendants. J'ai noté ici les résultats obtenus. La probabilité d'un événement B sachant A réalisé ou P de B sachant A avec cette notation, c'est la probabilité de A inter B sur P de A, ce qui se traduit par P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A, et le résultat, deux événements A et B sont indépendants si et seulement si P de B sachant A, c'est P de B, ou encore ce qui se traduit par P de A inter B, c'est P de A fois P de B, puisque P de B sachant A, c'est P de B. Alors un exercice. Dans une usine, trois machines A, B et C fabriquent des ampoules électriques. La machine A fabrique 20% des ampoules avec 4% d'ampoules défectueuses. La machine B fabrique 30% des ampoules de l'usine avec 2% d'ampoules défectueuses. La machine C fabrique 50% des ampoules avec 1% d'ampoules défectueuses. Une ampoule défectueuse, c'est-à-dire que si on la met sous tension,
elle ne marche pas. On prend au hasard une ampoule dans le dépôt où sont stockées les ampoules. Alors les ampoules sont toutes dans le même dépôt et l'emballage est identique. C'est-à-dire que si on prend une ampoule, on ne sait pas si elle provient de la machine A ou bien si elle est fabriquée par la machine B ou si elle est fabriquée par la machine C. Donc on prend une ampoule au hasard. Quelle est la probabilité pour que cette ampoule soit défectueuse? Voilà. Donc, je vais appeler D l'événement ampoule défectueuse. Mon problème, c'est chercher la probabilité de l'événement D. En fait, ça veut dire quoi, une ampoule est défectueuse? Ça veut dire qu'elle est défectueuse. Et soit elle est fabriquée par la machine A, soit fabriquée par la machine B, soit fabriquée par la machine C. Si on fait un schéma, ça c'est le dépôt où sont stockées toutes les ampoules. Alors une ampoule, soit elle est fabriquée par la machine A, soit elle est fabriquée par la machine B, soit elle est fabriquée par la machine C. Donc l'univers, c'est la réunion de trois événements qui sont deux à deux incompatibles. A et B sont incompatibles parce que lorsque vous prenez une ampoule, si elle est fabriquée par A, elle n'est pas fabriquée par B. Et B et C aussi sont incompatibles parce qu'il n'y a pas d'intersection et A et C sont incompatibles. Alors les événements A, B et C sont non vides. Deux à deux incompatibles, leur réunion, c'est l'univers. On dit que les événements A, B et C forment un système complet d'événements. Et l'événement D là-dedans, il est où? L'événement D, ampoule défectueuse. Eh bien, une ampoule défectueuse, ça c'est l'événement D. Ça peut provenir de A, de B ou de C. Une ampoule défectueuse, si j'appelle D cet événement, alors une ampoule défectueuse, ça veut dire soit l'ampoule est défectueuse et elle provient de A, ou bien l'ampoule est défectueuse et elle provient de la machine B, ou bien l'ampoule est défectueuse et elle provient de la machine C. En termes d'ensemble, l'événement D, c'est D inter A, c'est cette partie-là, union D inter B, union D inter C. Ces trois événements sont deux à deux incompatibles, et on sait que lorsque des événements sont incompatibles, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc la probabilité de l'événement D, c'est la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B plus la probabilité de D inter C. P de D inter A, c'est-à-dire, quelle est la probabilité lorsqu'on prend une ampoule au hasard? Quelle est la probabilité pour qu'elle soit défectueuse et qu'elle provienne de A? Eh bien, on sait que la probabilité d'une intersection, c'est la probabilité de l'A fois la probabilité du deuxième événement, sachant que le premier est réalisé. Donc ici, on peut écrire P de D inter A, c'est soit on écrit P de D fois P de A sachant D, ou encore, on peut écrire P de D inter A, c'est P de A fois P de D sachant A. Bien sûr, il faut voir le texte, ce qui permet de donner comme résultat ici. P de D, c'est ce qu'on cherche, justement. Donc, on ne va pas utiliser cette égalité. On va utiliser cette égalité-là. Donc, on va dire que P de D inter A, c'est P de A multiplié par P de D sachant A, plus, ici, ça va être pareil,
P2B fois P2D, sachant B, plus P2C fois P2D, sachant C. Donc, en utilisant cette propriété. P2A, ça veut dire quoi? Quelle est la probabilité pour que l'ampoule prise au hasard provienne de la machine A? Or, je sais que la machine A fabrique 20% des ampoules. C'est-à-dire que si vous prenez une ampoule au hasard, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse, la probabilité pour qu'elle vienne de A, c'est 20 divisé par 100. C'est 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Maintenant, P de D sachant A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais, sachant A, je sais que l'ampoule provient de la machine A. Ça, je le sais. Quelle est alors, dans ce cas, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse? Or, on nous a dit que 4% des ampoules qui viennent de la machine A sont défectueuses. Donc, sachant que l'ampoule provient de la machine A, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse, c'est 4 sur 100. Donc, P de D sachant A, c'est 4 divisé par 100, c'est 0,04. Plus P de B, c'est la probabilité pour que l'ampoule prise au hasard provienne de la machine B. La machine B fabrique 30% des ampoules. Donc, vous prenez une ampoule au hasard, la probabilité pour qu'elle vienne de la machine B, c'est 30 sur 100, c'est-à-dire 0,3. P de D sachant B, c'est-à-dire que je sais que l'ampoule provient de la machine B. Quelle est alors, dans ce cas, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse? On sait que la machine B, elle produit des ampoules et que 2% de ces ampoules sont défectueuses. Donc, sachant que l'ampoule provient de B, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse, c'est 2 sur 100. C'est-à-dire 0,02. Plus P de C, c'est 0,5, puisque 50% des ampoules proviennent de la machine C, fois, sachant que l'ampoule provient de la machine C, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse, eh bien, 1% des ampoules qui proviennent de la machine C sont défectueuses, donc 0,5 multiplié par 0,01. Cette somme, c'est 0,2 fois 0,04, c'est 0,008, plus 0,3 fois 0,02, c'est 0,006, plus 0,5 fois 0,01, c'est 0,005. Et ça fait 0,019. La question 2, l'ampoule choisie est défectueuse. Donc, on prend une ampoule au hasard et on voit qu'elle est défectueuse. Elle ne fonctionne pas. Elle ne marche pas. Quelle est la probabilité pour qu'elle provienne de la machine A? Donc, dans la deuxième question, quelle est la probabilité pour que cette ampoule provienne de la machine A? Donc, quelle est la probabilité de A? Sachant que, donc je sais que l'ampoule est défectueuse. Eh bien, P de A sachant D, on utilise cette propriété. On sait que dans le cas général, la probabilité d'un événement B sachant A, c'est la probabilité de l'intersection que je divise par P de A. Donc, P de A sachant D, c'est P de A inter D sur P de D. P de A inter D, j'ai déjà calculé ici. Ça fait 0,008 divisé par la probabilité de l'événement B, c'est 0,019. Donc ça fait 8 sur 19. 8 chances sur 19 qu'elles proviennent de A.
Bien. Je vais imaginer maintenant une interprétation. J'imagine que il y ait 1000 ampoules dans le dépôt. 1000 ampoules. Il y a des ampoules qui sont fabriquées par la machine A, il y a des ampoules qui sont fabriquées par la machine B, il y a des ampoules qui sont fabriquées par la machine C. Comme 20% des ampoules sont fabriquées par la machine A, 20% des 1000, ça fait 200 ampoules qui sont fabriquées par la machine A. 30%, c'est-à-dire 300 ampoules, sont fabriquées par la machine B, et 500, puisque 50% c'est fabriqué par la machine C, 500 sont fabriqués par la machine C. Parmi les 200 qui sont fabriqués par la machine A, je sais que 4% sont défectueuses. 200 ampoules et 4% sont défectueuses, ça fait 8 ampoules défectueuses. Fabriquées par la machine A. La machine B, elle a fabriqué, disons, 300 ampoules, et on sait que 2% sont défectueuses. 300 et 2% qui sont défectueuses, ça fait 6 qui sont défectueuses. La machine C a produit 500 ampoules, et 1% de ces ampoules sont défectueuses, c'est-à-dire qu'il y a 5 ampoules défectueuses. Au total, il y a 8 plus 6 plus 5, ça fait 19 ampoules défectueuses. Eh bien, l'usine a produit 1000 ampoules, il y a 19 qui sont défectueuses. On prend une ampoule au hasard, quelle est la probabilité pour qu'elle soit défectueuse? Eh bien, c'est 19 chances sur 1000, c'est 19 sur 1000. 19 sur 1000, c'est ce nombre-là. C'est 0,019. La deuxième question, j'ai une ampoule défectueuse dans la main. Quelle est la probabilité pour qu'elle provienne de la machine A? Donc ici, on est dans cet ensemble. On a 19 ampoules qui sont défectueuses. On en prend une, je sais qu'elle est défectueuse, donc je sais que l'ampoule est l'une parmi ces 19-là. Je prends une ampoule au hasard, quelle est la probabilité pour qu'elle soit dans la pour qu'elle provienne de la machine A? Eh bien, il y a 8 chances sur 19 pour qu'elle provienne de la machine A. Donc c'est la réponse, 8 divisé par 19. Pour répondre à la première question, au lieu d'écrire tout ça, on peut utiliser un arbre de probabilité. L'arbre de probabilité conditionnelle, c'est le suivant. Alors, l'usine a trois machines A, B et C qui produisent des ampoules électriques. Donc, il y a une machine A, une machine B et une machine C. La machine A produit des ampoules. Ces ampoules, soit elles sont défectueuses, soit elles ne sont pas. Débat, c'est le contraire de D. La machine B produit des ampoules. Ces ampoules sont soit défectueuses, soit elles ne sont pas. Pareil, la machine C produit des ampoules, soit elles sont défectueuses, soit elles ne sont pas. Dans le texte, on nous dit, la machine A fabrique 20% des ampoules. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. La machine B produit 30% des ampoules, donc la probabilité de l'événement B, c'est 0,3. Et la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire la probabilité pour qu'une ampoule prise au hasard soit fabriquée par la machine C, c'est 0,5. Maintenant, on se place dans l'univers A, sachant A. Sachant A, donc l'univers change. Sachant que l'ampoule est fabriquée par A, quelle est la probabilité pour qu'elle soit défectueuse?
C'est 4 sur 100. C'est 0,04. Pour qu'elle ne soit pas défectueuse, bien sûr, c'est 0,96. Sachant que l'ampoule est fabriquée par la machine B, la probabilité pour qu'elle soit défectueuse, c'est 2 sur 100. C'est 0,02. Pour qu'elle ne soit pas défectueuse, c'est 0,98. L'ampoule est fabriquée par la machine C. Sachant qu'elle est fabriquée par la machine C, pour qu'elle soit défectueuse, c'est 0,01, puisque 1% sont défectueuses, les ampoules qui sont fabriquées par C, et 99%, donc la probabilité ici, c'est 0,99. Donc ici, j'écris les probabilités. Là, j'écris la probabilité de l'événement A. Ici, j'écris la probabilité de l'événement B. Ici, j'écris la probabilité de l'événement C. 0,04, c'est la probabilité pour que l'ampoule soit défectueuse, sachant qu'elle est fabriquée par A. C'est une probabilité conditionnelle. Ici, c'est P de D, sachant B. 0,02. Et ici, c'est P de D, sachant C. Maintenant, une ampoule. Soit elle peut être fabriquée par la machine A et défectueuse. Donc une ampoule peut être fabriquée par A et défectueuse. Elle peut être fabriquée par A et pas défectueuse, c'est-à-dire qu'elle fonctionne. Elle peut être fabriquée par B et défectueuse. Fabriquée par B et elle n'est pas défectueuse. Fabriquée par C et elle est défectueuse. Fabriquée par C et elle n'est pas défectueuse. Donc ici, je vais écrire la probabilité de l'événement A inter D. Et la probabilité de A inter D, c'est P de A fois P de D, sachant A. Donc, je vais écrire P de A, c'est 0,2, multiplié par P de D, sachant A, 0,04. Et 0,2 fois 0,04, c'est P de D inter A, c'est 0,008. Maintenant, P de B inter D, c'est P de B fois P de D sachant B. P de B inter D, c'est P de B fois P de D sachant B. Donc P de B, c'est 0,3 fois P de D sachant B, c'est 0,02. C'est P de D inter B, on l'a calculé, c'est 0,006. P de C inter D, c'est-à-dire l'ampoule est fabriquée par C et elle est défectueuse. C'est P de C, c'est 0,5, fois P de D sachant C, P de D sachant C, c'est 0,01, c'est 0,1205. Maintenant, je veux calculer la probabilité de l'événement D. Ça veut dire quoi l'événement D? C'est D inter A, réuni avec D inter B, réuni avec D inter C. Eh bien, ces événements sont deux à deux incompatibles. La probabilité de l'événement D, c'est la somme de ces probabilités-là. Et la somme, donc 0,08 plus 0,06 plus 0,05, ça fait 0,019. Voici donc l'arbre de probabilité qui résume ce travail. Alors, la suite du cours, supposons un univers oméga associé à une épreuve et un système complet d'événements. Donc, un système complet d'événements, un événement A1, un événement A2, un événement A3 et ainsi de suite jusqu'à AN. Un système complet d'événements, c'est des événements deux à deux incompatibles, non vides, et d'autres, la réunion, c'est l'univers oméga. Donc deux à deux incompatibles, non vides, et la réunion, c'est oméga. Et on nous donne un événement B. Un événement B qui chevauche sur les événements A1, A2 jusqu'à AN. Ceci est un événement B. Supposez que l'on connaisse
les probabilités de l'événement A1, les probabilités de A2, probabilité de AN, et supposer que l'on connaisse les probabilités conditionnelles de B dans l'univers A1, c'est-à-dire je connais P de B sachant A1, P de B sachant A2, et ainsi de suite, jusqu'à P de B sachant AN. Et que l'on veuille calculer la probabilité totale de l'événement B. Eh bien, on va écrire que B, c'est B inter A1, ça c'est B inter A1, cette partie-là, réuni avec B inter A2, réuni avec jusqu'à B inter AN. Donc B, c'est B inter A1, union B inter A2, union B inter A3, jusqu'à B inter AN. Ces événements étant 2 à 2 incompatibles, puisqu'on a un système complet d'événements, puisque A1 inter A2 c'est vide, A2 inter A3 c'est vide, et ainsi de suite, alors P de B, lorsqu'il s'agit d'une réunion d'événements incompatibles, on fait la somme des probabilités. P de B, c'est P de B inter A1 plus P de B inter A2 jusqu'à P de B inter AN. P de B, c'est P de B inter A1. Vu les données qu'on a, on va dire que c'est P de A1 fois P de B sachant A1 plus P de A2 multiplié par P de B sachant A2 jusqu'à P de AN multiplié par P de B sachant AN. Ceci, c'est la formule de la probabilité totale de B. Et une question qui peut se poser, comment calculer, par exemple, P de A1 sachant B? Sachant B réalisé maintenant, c'est à l'envers. Comment calculer P de A1 sachant B? Eh bien, P de A1 sachant B, c'est P de A1 inter B sur P de B. P de A2 sachant B, c'est pareil. Donc P de AI sachant B, c'est P de AI inter B sur P de B. Ceci est une formule qu'on peut utiliser. Donc dans l'exercice que j'ai traité tout à l'heure, le système complet d'événements, c'était trois événements, et on a utilisé ça pour trois événements. Voilà. Merci d'avoir suivi.